Le palais de Bondy à Lyon, bientôt en chantier. Sa rénovation va commencer dès cet été. Il en était question hier au conseil municipal. Le bâtiment n'avait pas connu de gros travaux depuis les années 50. Sa verrière, notamment, est en mauvais état. Nous avons lancé une opération de réfection des toitures dans le cadre de la conservation de notre patrimoine. Mais c'est aussi une volonté, dans le même temps, de favoriser l'accessibilité. C'est un bâtiment très utilisé par de nombreux acteurs culturels et associatifs et il fallait que tous les publics puissent accéder facilement aux étages. Le palais de Bondy héberge notamment le guignol de la compagnie des Zonzons qui va devoir quitter provisoirement les lieux. Pour l'instant, c'est encore un peu confus pour nous. On va faire donc une saison hors les murs. Qui est en train de se préparer, n'ayant pas donc de salle de repli. On va essayer de jouer dans plusieurs salles de Lyon, l'agglomération, voire du département. Cette première tranche de travaux est estimée à 4,5 millions d'euros. La réouverture du palais de Bondy est prévue à l'été 2014.